Du coup, ça fait très solennel de prendre le micro pour une petite assemblée comme ça, mais c'est parce que c'est enregistré. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la Cité de l'Architecture. Je crois que vous étiez peut-être déjà là un peu ce matin pour d'autres programmes. Ça commence doucement, là, le festival. On est ravis d'accueillir ce programme sur les 3 jours avec les étudiants de l'UNEAP. Moi, je m'appelle Enora Prioul. Je travaille à la direction des publics, à la médiation culturelle, en charge de l'éducation artistique et culturelle. Et j'ai la grande chance d'avoir suivi les études passionnantes que peut-être beaucoup d'entre vous suivent actuellement. Je suis architecte de formation, diplômée de l'école Paris-Val-de-Seine, Paris-la-Seine. Les derniers diplômes DPLG, donc était un peu sur un autre modèle que le vôtre. Et c'est toujours une joie d'être, de re-baigner dans ce bain et dans cette émulation intellectuelle que sont les études d'architecture. Donc là, on a la chance d'avoir Xavier Troussard, qui est responsable d'un projet, d'un nouveau projet que moi, je ne connaissais pas, enfin, dont j'ai appris l'existence il y a quelques semaines, qui est le New European Bauhaus, auprès de la Commission européenne. Il va nous en dire un peu plus que 2 mots, mais nous présenter ce programme, la manière dont il travaille, les coopérations, du coup, à travers ce projet, les coopérations à l'échelle européenne, qui traite à la fois des questions d'architecture, de design, et qui sans doute emprunte davantage le terme Bauhaus pour ce que ça a de, à la fois laboratoire d'idées, réflexion à différentes échelles de la conception qui touche tout le cadre de nos vies, avec une démarche aussi et une ambition très forte d'inscrire ces réflexions dans un contexte très particulier en termes d'écologie, d'environnement, d'économie, des ressources, des moyens, de réflexion aussi sur les contextes. Et je pense que finalement, ça rejoint aussi plein de questions qui étaient abordées là, il y a quelques jours, lundi soir, par Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal qui faisaient l'entretien de Chaillot et la séance inaugurale de l'école de Chaillot cette année, et qui ont fait une conférence extrêmement simple, finalement aussi à l'image de leur architecture, où ils ont décliné finalement toute leur démarche avec cette idée très simple de faire avec le climat, faire avec le contexte, faire avec les habitants, faire avec le patrimoine et ce qui est présent, et considérer finalement le contexte et les choses présentes comme étant un préalable à l'acte de construire ou de ne pas construire, ce qui peut être aussi une décision et un engagement fort actuellement. Donc, on veut vraiment que ça soit sous forme de discussion. On a trouvé au débeauté un étudiant de l'ENSA de Strasbourg qui se présentera, Sean, qui va jouer le rôle de premier intervieweur, en espérant que du coup vous preniez la main et la suite. Il se présentera et il a l'habitude d'interviewer et d'interroger des personnes issues du monde de l'architecture qui font autre chose ou qui travaillent différemment, qui travaillent dans d'autres secteurs que l'architecture. Donc je pense que c'est un très bon choix pour cette interview de Xavier Troussard, qui nous fait le bonheur d'être là. Donc voilà, Xavier, je vais vous laisser la parole. Vous présentez ce New European Bauhaus que je pense peu connaissent, mais peut-être je me trompe. Et puis vous laissez par la suite échanger la plus simplement possible. On est dans une très grande salle qui s'appelle la cathédrale, qui est très impressionnante, mais qui reste très confortable pour échanger de manière intime, là, sur une question finalement qui est la question de notre cadre de vie. Donc c'est très bien qu'on soit dans des conditions qui soient des bonnes conditions, sans le masque si on le souhaite, puisqu'on est dans un établissement soumis au pass vaccinal. Donc fait-on ça aussi un petit peu dans ce contexte difficile. Voilà. Bonjour. Oula, je vais m'asseoir tout de suite, comme ça on sera dans le salon. Donc, je m'appelle Xavier Troussard, je travaille à la Commission européenne, dans un service de la Commission européenne qui est un centre de recherche, on appelle ça le centre commun de recherche. Et en fait, on a des chercheurs qui travaillent sur toute une série de domaines avec de multiples compétences, expertises, pour soutenir l'ensemble des politiques de l'Union. Et
après plusieurs années à développer les politiques pour le secteur de la culture dans la Commission, j'ai développé il y a quelques années un laboratoire d'innovation politique qui était à la croisée de plusieurs compétences, la prospective, les sciences comportementales et le design impliqué au développement des politiques. Et je dis ça simplement parce que aujourd'hui, je suis responsable de la coordination de ce nouveau Bauhaus européen sur lequel j'espère que dans une heure et demie, vous en saurez plus. Finalement, on est venu à développer cette initiative en utilisant aussi tout l'apprentissage qu'on a eu ces dernières années sur la manière dont on peut faire et développer des politiques autrement à l'échelle européenne. Donc, le nouveau Bauhaus européen, il est né dans l'esprit de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en plein milieu de la pandémie. Vous savez qu'une des grandes priorités stratégiques de l'Union européenne, c'est le pacte vert européen. C'est réellement de réussir une transition de l'ensemble de notre société vers la neutralité carbone, mais aussi vers une promotion de la biodiversité et donc un autre rapport avec la planète. Et notre présidente était convaincue que ce n'est pas seulement une question d'avoir les moyens et d'investir ou d'avoir les technologies, mais c'est une question de changement beaucoup plus profond qui doit impliquer l'ensemble de la société, l'ensemble des citoyens. Donc elle s'est dit, on a besoin de quelque chose qui enchante cette transformation, qui en fait une transformation culturelle et qui en fait finalement quelque chose qui a de l'âme. Ça, c'était le premier ferment de sa réflexion politique. Le deuxième ferment, c'était qu'en plein milieu de la pandémie, elle pensait déjà qu'il faudrait en sortir quelque chose qui nous rassemble au-delà des silos dans lesquels on vit, professionnellement, socialement, qui nous rassemble aussi en tant qu'Européens, parce que c'est un enjeu commun et qu'on peut travailler ensemble à cette transformation de la société. Et de là est née cette initiative du nouveau Bauhaus européen qui se focalise sur quelque chose qui nous intéresse tous, parce que c'est l'endroit où on vit tous les jours. C'est notre cadre de vie, notre mode de vie, et comment on veut le transformer autour d'un triangle de valeurs qui était très bien illustré par les initiatives qui ont été présentées ce matin. Les valeurs, bien sûr, du rapport à l'environnement et au climat, donc la durabilité environnementale, mais aussi des valeurs d'inclusion sociale, mais d'inclusion de tous dans leur diversité. Et enfin, la valeur qu'on a traduite en français par esthétique, mais je dirais que ça va au-delà de l'esthétique. C'est beauté, comme on dit aussi, une belle personne, une belle journée. C'est tout ce qui, dans l'expérience qu'on a de l'espace dans lequel on vit, amène de la satisfaction, du bonheur, du sens. Et donc là, il y a une forte connotation, pas seulement esthétique, mais aussi culturelle, faire sens avec le contexte. Donc voilà, on a développé cette initiative en ne partant pas de travaux d'experts et de longs documents de la Commission, comme on en a le secret, mais en écoutant. Et donc on a commencé par une phase de 6 mois de ce qu'on a appelé la co-création, où donc on a exprimé notre volonté de travailler sur cet espace dans lequel on vit, de croiser ces 3 valeurs, parce que trop souvent ces valeurs elles sont traitées séquentiellement. On se concentre sur un point ou sur l'autre, mais on pense qu'il y a un saut créatif qui se fait quand on regarde les 3 dimensions en même temps. Et on a demandé aux gens, finalement, dites-nous ce que vous voulez que cette initiative porte, amène. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous qui déjà ressemble à cette transformation dont on parle? Et donc on a eu toute une série de contributions sur lesquelles on a fondé l'initiative qui ensuite a fait l'objet d'une communication de la Commission, donc un document qui a été publié le 15 septembre dernier et qui donne des contours beaucoup plus précis à cette initiative. Et qui, la consultation qui a d'ailleurs amené un public qui n'est pas le public habituel des consultations européennes. Les consultations européennes, la plupart du temps, quand on fait une consultation au niveau européen, on touche tout un tas d'organisations intermédiaires qui sont très organisées pour répondre à nos consultations, mais qui nous ressemblent un peu trop, qui sont des fois aussi détachées d'ailleurs des contextes particuliers. Ici, on a eu 2000 contributions, dont plus de la moitié viennent d'individus ou d'organisations toutes petites qui sont des acteurs de terrain. Et nous ont dit, en gros, 4 choses qu'on a retenues.
On veut que cette transformation du nouveau balance européen nous permette une reconnexion avec la nature. Donc ce n'est pas simplement mettre des géraniums au balcon, c'est vraiment repenser totalement notre relation à la nature en n'étant plus centré sur l'humain, mais centré sur la vie. Et donc un déplacement du centre de gravité qui est profondément aussi culturel. Ils nous ont dit ensuite qu'ils veulent que l'espace de vie soit un espace de vie qui crée un sens d'appartenance. Donc ils veulent que le lieu à la fois fasse sens, mais fasse appartenance, donc nous aide à faire communauté. Ils nous ont dit ensuite qu'il faudrait se focaliser sur les lieux et les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire que les espaces ne sont pas neutres et que donc si on doit avoir une impulsion, un effort, il faut se concentrer sur peut-être les lieux qui sont les plus isolés, les populations qui sont les plus désavantagées. Donc ils nous ont donné cet axe-là. Et ils nous ont dit, bien sûr, pour réaliser cette transformation, on a besoin aussi de travailler sur tout l'écosystème industriel qui est le sous-bâtiment de la transformation. Donc travailler sur les matériaux, travailler sur les modes de faire, travailler sur tout ça. Et puis, on a retenu trois principes. Le premier principe, c'est la participation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation de l'espace dont on parle sans une implication de ceux qui sont affectés par les transformations. Donc, un grand principe de développement participatif de cette initiative. Un deuxième principe, qui est la transdisciplinarité. On en parlera peut-être, parce que les architectes font partie de ceux qui pensent que ils sont le centre de gravité autour duquel on peut faire la transformation. Les designers vous diront la même chose, mais d'autres, des artistes ou d'autres, ont peut-être d'autres perceptions sur ça. Donc la transdisciplinarité, essayer de décloisonner et de faire travailler ensemble des professions différentes. L'idée, c'est aussi d'avoir une dimension d'apprentissage à l'échelle européenne, donc de voir comment on peut travailler à un niveau multiple, c'est-à-dire qu'on sait que la transformation elle est fortement contextuelle, donc ne pas vouloir faire des solutions qui sont transposables à tout le monde, qui sont standardisées, respecter le contexte comme étant celui qui peut faire sens, mais accélérer l'apprentissage mutuel, parce que de différents contextes, on peut apprendre des choses qui sont, elles, transférables. Donc, c'est ces principes-là qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors, je vais peut-être vite m'arrêter, comme ça, tu vas pouvoir commencer à me poser des questions. Mais juste, en termes de l'arsenal qu'on met en œuvre pour développer cela, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect de la communauté. On conçoit cette initiative non pas comme une initiative qui a un nouveau programme de l'Union européenne, mais comme la stimulation de ce qu'on espère voir devenir un mouvement. Et un mouvement, sa force, il est dans ceux qui sont porteurs du mouvement sur le terrain. Et donc on a commencé par créer une communauté. On a aujourd'hui une communauté qui est assez unique à l'échelle européenne, puisque pas par son nombre, on a un peu plus de 400 membres maintenant, mais par sa diversité. Dans notre communauté du Nouveau Balance Européen, on a à la fois des petites organisations au milieu rural qui ont des projets, jusqu'à des organisations des Nations Unies. Et on a des organisations qui représentent des compétences et des secteurs qui vont de l'art jusqu'à la technologie, en passant par l'architecture, le design, l'intégration sociale, et donc toutes les dimensions qui s'intéressent. Donc c'est une communauté qui est unie par des valeurs et qui elle-même commence à décloisonner, et on voit que c'est un ferment de développement d'activités, de projets qui sont d'une nature différente de ce qu'on fait quand on pense simplement à travailler avec des gens dans une même filière en fait. Donc voilà, un aspect qui est la communauté, et ça va devenir quelque chose qu'on appelle le laboratoire du nouveau balance européen, où on va inviter cette communauté à développer des projets de manière coopérative, projet qu'ensuite on va projeter à l'échelle européenne pour qu'ils trouvent les bons partenariats, les bons contextes pour essaimer. On a bien sûr l'arsenal traditionnel, c'est-à-dire qu'on utilise les programmes de l'Union européenne, vous en connaissez peut-être certains, il y a par exemple Horizon Europe,
qui est le grand programme de recherche de l'Union européenne et qui finance des projets qui peuvent être intéressants pour vous dans vos domaines, eh bien, on a mobilisé plusieurs appels, dont un appel pour des démonstrateurs qui sont un peu dans l'esprit ce que vous avez vu ce matin. On a fait un appel à projet pour des projets de transformation locale qui appliquent les principes du nouveau BAOS européen et qui essayent de développer une transformation qui intègre les trois dimensions. Et on va voir ce que ça donne. On a eu un peu plus d'une quarantaine de candidatures et la sélection se fera cet été. Donc on a mobilisé des programmes. On a un dialogue aussi avec ceux qui développent des politiques au niveau de l'Union européenne. Donc il y a tout un cadre réglementaire. Par exemple, on est en train de revoir le cadre réglementaire sur les matériaux de construction. On est en train de voir aussi comment, dans la politique industrielle, on dépasse le concept de secteur pour arriver à un concept d'écosystème. Et donc, on s'est intéressé beaucoup à l'écosystème de la construction et comment on peut associer les différents partenaires à la transformation de cet écosystème qui est assez conservateur, disons. Donc on utilise les outils classiques, mais je mets l'accent sur la partie la plus innovante qui est de travailler avec une communauté. Mais je vais m'arrêter là, comme ça, il y a encore plein de choses à découvrir. Tu peux venir là ? Allô. Je m'appelle Somme Afiar, je suis en 6e année sur 7 d'un long double cursus à l'INSA de Strasbourg, donc à ne pas confondre avec l'ENSA, et donc je fais du génie civil et de l'architecture. Et vous l'avez dit, j'ai appris que j'allais intervenir ici un petit peu au dernier moment, donc n'hésitez pas à m'interrompre si je ne suis pas pertinent du tout. C'est très intéressant ce que tu racontes. On avait dit qu'on se tutoyait. Mais c'est peut-être une première question très égocentrée, mais c'est juste pour lancer quelque chose. Mais comme vous l'avez raconté, j'ai l'impression que c'était vraiment des échanges entre des membres de la Commission européenne et différents acteurs locaux ou à plus ou moins grande échelle. Et quel serait le rôle de futurs architectes à jouer dans toute cette nouvelle organisation, dans tout ce nouveau projet de nouveau BAOS, de justement pousser des initiatives locales, des petites initiatives vers un futur différent ? Le rôle, c'est le rôle de ceux qui sont sur le terrain et qui peuvent faire évoluer des projets vers cette capacité à intégrer dans un projet de transformation ces trois dimensions. Donc c'est d'intégrer d'abord probablement les principes de participation, donc d'associer eux-mêmes dans leur pratique et avec d'autres partenaires, d'associer les habitants, enfin ceux qui vont être les utilisateurs de ce sur quoi ils travaillent. Ça, c'est un principe important. Donc est-ce que ça se fait avec d'autres ? C'est pour ça que la transdisciplinarité est importante. Comment, dans différents contextes, on n'engage pas la population de la même manière ? Anne Lacaton, quand ils ont visité les différents appartements, ils ont écouté quels étaient les besoins des gens. Donc ça, c'était faisable dans ce contexte-là. Ailleurs, quand on travaille sur la transformation de tout un quartier, il faut utiliser d'autres méthodes. Il y a le problème aussi comment on implique tout le monde, parce qu'il y a ceux qui se laissent facilement impliquer, mais ceux qui ont le plus de besoins, la plupart du temps, sont ceux qui sont très difficiles à atteindre. Donc là, par exemple, on connaît la possibilité de travailler avec des artistes pour pouvoir impliquer plus de gens. Donc il y a cet aspect-là, comment l'architecte, dans le développement de son projet, il peut mieux intégrer cette dimension participative. Après, il y a l'ambition en termes nouveau pacte avec la nature, donc c'est pas seulement penser en termes d'efficacité énergétique des bâtiments, c'est penser circularité, donc éviter de construire, réhabiliter, régénérer, c'est ensuite la dimension sociale, donc comme c'était illustré dans les projets ce matin aussi, faire quelque chose qui soit abordable. C'est facile de faire du très vert, très beau, etc. pour des privilégiés, c'est beaucoup plus difficile d'intégrer ces dimensions en gardant un logement qui est abordable. Et là,
je ne sais pas quel est le rôle de... Il y a le rôle de l'architecte, mais il y a le rôle du développement de l'ensemble du projet. Par exemple, il y a des gens qui développent des projets où on se préoccupe aussi du statut de la propriété derrière. Et donc, il y a des nouveaux modèles pour devenir propriétaire d'une habitation selon des modalités qui garantissent, par exemple, que les loyers ne vont pas augmenter ou qu'il n'y aura pas de spéculation possible. Donc, il y a des nouveaux modèles économiques qui dépassent complètement le champ de l'architecture, mais qui peuvent faire partie d'un projet qui intègre ces trois dimensions. Et alors, sur la dimension de alors, ce qu'on attend d'un architecte, c'est qu'il arrive à faire sens et à faire beau dans un contexte donné. Donc là aussi, c'est comment on interprète un contexte qui vient avec ses traditions historiques, avec son patrimoine, avec peut-être son artisanat, avec ses atouts culturels, et comment on peut réinvestir ces atouts culturels pour faire du beau, de l'esthétique, ou en tous les cas de donner une forme qui fasse sens dans un contexte donné. Donc voilà, il y a beaucoup de rôles, mais c'est pour ça que je ne sais pas si je décris là le rôle de l'architecte ou le rôle de ce que l'architecte avec d'autres doit réussir à... Donc je pense beaucoup que l'architecte doit de plus en plus travailler en équipe, et en équipe pluridisciplinaire, et que donc ça c'est peut-être la première chose, c'est de sortir de l'idée que l'architecte c'est le deus ex machina qui va tout faire, mais de dire voilà, que l'architecte il a énormément de compétences à apporter à ce type de transformation, mais qu'il doit apprendre à travailler avec d'autres, ou alors à intégrer différentes dimensions à son curriculum comme tu l'as fait. Et finalement l'architecte peut aussi devenir un médiateur, s'effacer en retrait, et plutôt pousser les autres, pousser les différents acteurs. Je pense que c'est une possibilité. Ça, on le voit beaucoup, par exemple, avec le design. Je travaille avec des designers dans mon équipe depuis longtemps, parce que c'était une des disciplines qu'on avait utilisées dans le laboratoire. Et alors, selon les formations qu'ils ont, c'est des gens qui ont été formés pour faire du design de produits ou du design de services. Et quand on transfère ça dans le design des politiques, en fait, ils deviennent effectivement des orchestrateurs de processus, beaucoup plus que des gens qui dessinent une forme finie. Et donc là, je pense qu'il y a... encore une fois, l'architecte, je pense qu'il apporte des choses décisives dans le fait de donner une forme à quelque chose. Mais en amont, il y a tout un travail où peut-être il doit devenir ce facilitateur, ce designer de processus qui permet de nourrir la forme qu'il va donner in fine à son projet. Je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un a des questions ? Stéphanie Sel, du ministère de la Culture, donc du service qui exerce la tutelle sur les 20 écoles d'architecture. On a participé à une visioconférence ensemble. Voilà, je pense que ce que vous dites fait tout à fait écho à ce qu'on cherche à développer dans les écoles d'architecture. En enseignement-recherche, d'ailleurs je lis bien enseignement et recherche et je mets bien le trait d'union entre les deux, et en plus nous, alors on va dire que c'est une chance dans un tel contexte, les écoles sont sous tutelle du ministère de la Culture, donc en fait toute la chaîne de la création est présente et en proximité immédiate des écoles d'architecture. Et d'une façon très pragmatique, puisque c'est un mouvement qui est lancé, quels sont les différents niveaux d'adhésion pour une participation française plus importante? Parce que j'ai bien été voir sur votre site, d'ailleurs il y a de très très beaux documents et de très très belles prises de parole, mais à ce stade, peu de Français. Et voilà, je souhaite pour nous tous qu'il y ait des adhésions, mais je voudrais mieux comprendre quels sont les différents niveaux d'adhésion, parce que j'ai bien compris que c'est pas les ministères, c'est pas les organisations gouvernementales. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, proposer aux étudiants, proposer aux architectes, proposer aux écoles, proposer aux associations comme type d'adhésion pour rentrer dans cette belle dynamique? Très bien, très bonne question pratique qui va pouvoir me permettre de donner le menu. D'abord, je suis venu ici dans le contexte d'une réunion que la présidence française a organisée, sa première réunion physique des points de contact des États membres. Donc on commence à s'organiser aussi pour dialoguer avec l'ensemble des États membres et voir comment précisément
on peut mieux arrimer les forces de chacun à cette initiative. Alors, le premier point d'entrée, j'en ai parlé, c'est notre communauté des partenaires officiels. Donc, pour être partenaire officiel, il faut être une organisation, aussi petite soit-elle. Hein, ça peut être trois copains qui ont un projet et un statut comme organisation, qui est sans but lucratif et qui n'est pas lié à une entité politique. Donc, par exemple, si vous êtes une ville, vous ne pouvez pas parce que vous avez un maire qui est élu. Donc, ça, c'est le premier niveau. C'est un appel qui est permanent. Toute organisation qui est intéressée, qui partage les valeurs du nouveau Bauhaus européen, qui veut travailler avec d'autres au niveau européen sur des activités à développer pour soutenir cette ambition, est bienvenue à devenir partenaire officiel du nouveau Bauhaus. Ensuite, on a lancé des prix. Malheureusement, le dernier prix, on a une première édition du prix qui a très bien fonctionné au niveau des candidatures, mais on avait décidé d'un mode peut-être un peu naïf de sélection où on avait donné un grand rôle à la sélection du public. Et on avait interverti le rôle habituel qui est dévolu aux experts et aux jurys avec celui du public, ce qui fait qu'on a diminué considérablement la diversité géographique des produits, de ceux qui ont pu être finalement sélectionnés. Mais il était intéressant parce que c'est un prix qui est sorti complètement de cette idée du génie architectural ou de la pièce précieuse. C'était toutes des histoires, celles qui ont reçu un prix, c'était des histoires qui étaient basées sur un projet de communauté. Donc c'était très centré sur des communautés qui sont porteuses d'une transformation de leur propre cadre de vie, de leur propre économie, où il y avait une partie pour des plus jeunes, donc pour ça peut vous intéresser pour le prochain prix, mais on a une catégorie pour les 30 ans et moins de 30 ans qui viennent avec un concept ou une idée. On a deux catégories, donc les projets réalisés et puis les idées et les concepts, et ça c'est pour les jeunes. Et donc là on avait toute une série d'idées qui venaient sur des nouveaux types de matériaux, des nouveaux concepts, des projets à réaliser. Donc ça c'est quelque chose qui peut intéresser les étudiants. On vient de clôturer le deuxième appel où on a changé un peu les modalités, et donc on a des candidatures de tous les pays, y compris de la France. On a quatre catégories qui correspondent aux quatre axes que j'ai rappelés au début, et puis on a toujours ces deux entrées pour des projets réalisés et des nouveaux projets, mais là on a un travail de jury, donc toutes les candidatures vont être examinées par un jury, et il y aura à la fin une sélection des lauréats qui tiendra compte d'un certain nombre d'équilibres sur la diversité des projets qui seront sélectionnés. Donc le prix, c'est un outil important pour nous parce que c'est ce qui permet, un projet comme celui-là avance par l'exemple. Donc il faut construire une histoire de la transformation telle qu'elle se réalise. Hein. On a beaucoup trop d'histoires qui sont basées sur la crise. Donc on a plein de films sur la crise climatique, le cataclysme. On a très peu de choses qui, comme le film Demain, par exemple, montrent comment, en germination dans la société, il y a cette transformation-là. Et on veut que le nouveau Bauhaus européen soit l'illustration du fait que ce n'est pas des choses géniales réservées à des pays super riches ou à quelques endroits qui vont pouvoir travailler avec des grands noms. Non, c'est des projets qui sont portés par des communautés et qui apportent la transformation partout en Europe. C'est le prix. On a ensuite un autre point d'entrée qui est un appel qu'on a lancé qui peut vous intéresser pour des projets de transformation des espaces d'éducation. L'idée, c'est de voir, pendant la phase de co-design, un des messages qui est ressorti de notre analyse, c'est que ceux qui sont des acteurs de la transformation, quand on pense aux outils dont ils ont besoin, ils mettent au même niveau l'argent et l'accès à un réseau, la reconnaissance et l'accès aux connaissances. Donc, on veut faire l'expérimentation, parce que souvent l'Europe s'est conçue comme un porte-monnaie, et donc on veut montrer qu'un projet européen, ce n'est pas avant tout de l'argent, mais c'est développer des idées ensemble. Et donc, on invite
les espaces d'éducation, parce que l'éducation est très importante, c'est peut-être une référence aussi au Bauhaus, à penser leur propre transformation autour de trois axes complémentaires. Transformation physique de l'espace dans lequel on apprend, ça peut être une transformation minime, mais une transformation qui est porteuse de quelque chose qui fait sens dans les objectifs d'éducation qu'on a, donc revisiter ces objectifs d'éducation, et ce faisant, repenser sa relation à la communauté autour. Hein. Donc l'exemple que je prends toujours, c'est, prenez une école qui décide de focaliser son attention sur l'agriculture, la nutrition, qui va construire un jardin dans sa cour de récréation et qui va inviter les familles, les voisins à venir jardiner avec les enfants régulièrement. Donc là, l'idée, c'est de créer tout un portefeuille d'expérimentation sur la transformation des lieux d'éducation, ensuite de les rassembler sur des thématiques qu'ils partagent et de faire donc un apprentissage en commun, d'apporter là où c'est nécessaire de l'expertise partagée et de raconter l'histoire de cette transformation. Et la prochaine édition du prix en 2023 sera dédiée à l'éducation. Et donc tous ceux qui se seront engagés auront pris, je dirais, des longueurs d'avance dans la capacité à promouvoir un projet. Et cet appel est ouvert à des initiatives dans le monde entier. Donc ça, c'est une autre aussi dimension, c'est qu'on veut progressivement que ce mouvement il soit ouvert à tous ceux qui veulent y contribuer dans le monde, parce que ce n'est pas quelque chose qui est spécifiquement européen. Donc ça, c'est, on aura d'autres appels comme ça. On en a qui vont sortir au mois d'avril, qui demandent à contribuer à l'analyse des problèmes liés aux réglementations. Donc ça, ça peut vous intéresser en tant qu'architecte. Au niveau européen, d'habitude, quand on pose des questions sur les réglementations, c'est au titre du traité, on se dit, bon, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des obstacles à la libre circulation des marchandises, des professions, etc. Et puis alors là, on est compétent pour s'en occuper. On sait que dans la transformation de l'espace public, la grande majorité des réglementations ne sont pas des réglementations européennes, ni même des réglementations de la compétence européenne. Mais il n'empêche que si on veut avoir dans ce mouvement une réflexion sur quel est le rôle de la réglementation dans la transformation, il faut qu'au moins on ait une cartographie de l'expérience des gens avec la réglementation quand ils veulent faire des transformations de type nouveau Bauhaus européen. Et donc on va lancer cet exercice de mapping et puis après ça nous donnera des outils pour créer des conversations à différents niveaux de gouvernance avec différents pays selon ce qu'on va trouver, à la fois comme expériences difficiles, donc des problèmes liés aux réglementations, mais aussi des expériences positives, parce que peut-être il y aura des bonnes pratiques qui vont émerger et qu'on va pouvoir faire essaimer. Donc voilà, il y aura toute une série d'activités qui vont se développer comme ça et dans lesquelles vous pouvez contribuer, parce que cet appel n'est pas pour l'ordre des architectes, il est pour toute personne qui a voulu rénover sa maison et a voulu utiliser tel matériau et à qui on a dit tatata, c'est pas possible parce que ceci ou parce que cela. Et donc plus ça c'est abondé par des expériences, plus on a quelque chose qui nous permet de lancer des conversations intéressantes. Troisième outil qu'on met en place, c'est le festival du nouveau Bauhaus européen. Donc du 9 au 12 juin, il y aura un festival qui va avoir trois dimensions. Il est ancré pour sa première édition dans la ville de Bruxelles. Et donc on veut travailler, et on travaille beaucoup avec les acteurs de terrain pour que ça ne soit pas une conférence dans un centre de conférence, mais quelque chose qui habite la ville. Il a une composante numérique, c'est-à-dire qu'il y aura un programme qui sera sur une plateforme qu'on peut suivre partout. Et puis il aura une composante d'événements satellites qui peuvent être organisés par tous ceux qui sont intéressés partout dans le monde et qui feront partie du programme du festival. Donc là aussi, si vous avez des initiatives que vous souhaitez porter et que vous les inscrivez dans un calendrier qui a au moins une journée de superposition avec ces dates, du 9 au 9, il y a un appel qui est en cours qui vous permet de faire des propositions et notre but, c'est simplement de vérifier qu'il y a l'esprit du Bauhaus qui est intégré à ce que vous proposez. Et si tel est le cas, eh bien, ces événements feront partie du programme du premier festival du nouveau Bauhaus européen. Voilà. Dans la durée, ce qu'on espère développer avec ce laboratoire,
c'est une dynamique de croissance, d'incubation d'activités, de projets, sans mettre l'argent au départ. C'est encore une autre logique. Hein. Quand vous mettez de l'argent public quelque part, vous divisez une communauté qui va se battre de manière compétitive pour avoir une ressource rare. Hein, quand j'ai commencé dans la culture, au niveau européen, il y avait trois petits programmes qui couvraient trois secteurs. Il y avait un programme pour le patrimoine, il y avait un petit programme pour l'audiovisuel, et puis il y avait un programme pour le spectacle vivant. Et ces gens se battaient les uns contre les autres pour avoir leur petite part du gâteau. Et moi, j'aurais dit, mais c'est stupide. Votre enjeu commun, c'est de grossir le gâteau. Et donc, on a commencé à travailler autrement, on a créé l'agenda pour la culture. Et donc, en rassemblant les forces, on a justifié les ressources dont avait besoin ce secteur. Mais là, c'est la même chose. Si on commence par simplement répondre à des appels à propositions, ça donne des choses intéressantes, mais ça a aussi ses limites, parce qu'il y a un effet de concurrence. En revanche, dans ce laboratoire, ce qu'on voudrait créer, c'est un lieu où on peut librement développer des projets jusqu'à ce qu'ils soient tellement irrésistibles par leur qualité intrinsèque et par les partenariats qu'ils ont et par la manière dont ils ont été pensés, que quand on les met dans l'espace public, il y a plutôt des acteurs qui se précipitent pour les soutenir. Donc, encore une fois, c'est de l'innovation, donc ça peut ne pas fonctionner, mais c'est la démarche qu'on essaye d'apporter, c'est l'idée que la force de l'idée, la force d'un partenariat transdisciplinaire, bien pensé et qui partage des valeurs qui sont fortes, trouvera à la fois les contextes d'expérimentation. Donc on espère, on va inviter une nouvelle catégorie qui sont les amis du nouveau Bauhaus européen, pour pouvoir avoir à bord les villes, les autorités régionales et le business. Et ces amis, on va leur demander de soutenir les projets qui vont émerger du laboratoire, en fait. Donc voilà, j'espère que j'ai couvert à peu près tout le catalogue de ce que pour l'instant on a en rayon. Moi, ça me fait penser, quand vous parlez, vous avez parlé donc d'une approche par exemple, enfin, et je pense que c'est aussi le but du festival. Et pour le moment, c'est plutôt par appel à projet que vous fonctionnez, donc c'est vous permettez à des initiatives de se signaler auprès de vous. Mais même si l'approche est très contextuelle, il peut y avoir à plusieurs endroits des problématiques qui se répètent. Est-ce que si à un moment vous avez un projet qui est vraiment exemplaire d'une certaine manière, est-ce que dans un second temps avec cette commission, vous pourriez imaginer aller proposer des projets types en quelque sorte pour les implanter à certains endroits, enfin en tout cas pour les proposer aux acteurs de ces endroits qui partagent les mêmes problématiques que d'autres endroits éloignés? Alors oui, c'est, l'idée c'est d'avoir un laboratoire ouvert où on apprend les uns des autres et d'accélérer la circulation des bonnes solutions. Hein. Mais on espère que ça va venir plutôt de nos partenaires qui eux savent quels sont les problèmes et savent les résoudre plutôt que de la commission. Donc si je prends un exemple, on est conscient dans la vague de rénovation hein, qui va libérer énormément de financement, notamment au travers des plans de relance qui ont été adoptés un peu partout en Europe. On n'a jamais eu autant d'argent à investir et un des champs d'investissement importants, c'est la rénovation des logements, des bâtiments. Soit ça se fait à minima, c'est-à-dire qu'on va simplement avoir des objectifs d'efficacité énergétique et de réduire des émissions, soit ça peut se faire avec cette dimension de faire cette rénovation en respectant ce triangle. Et il y a des types de bâtiments, par exemple quand je pense aux bars qui ont été rénovés à Bordeaux, c'est une problématique, ce type de bâtiment, il y en a partout en Europe. Hein. Et il y en a des milliers probablement. Hein. Donc si des coopérations permettent de dégager un espèce de catalogue d'esprit de solutions qui permettrait d'accélérer la recherche de ce compromis entre les trois objectifs, je pense que ça c'est un projet qui par exemple accélérerait considérablement la transmission. Hein. Mais c'est difficile d'insuffler ce genre de choses de manière centrale, parce qu'on n'est pas là pour dire quel doit être le style, enfin, on n'est pas dans une démarche qui est normative, qui est de dire faites comme ça a été fait là. En revanche, il faut créer le contexte
qui permettent à cet inventaire, ce catalogue d'exister, d'être collecté et ensuite d'être réutilisé là où il est utile. Est-ce que quelqu'un a une question ? Justement, je voulais rebondir là-dessus sur à la fois vous poursuivez des objectifs de résultats, la manière dont on arrive à répondre finalement à des enjeux, à des objectifs, sans tomber dans des objectifs plutôt de moyens et extrêmement normatifs. Et ces normes de construction, elles sont, comme vous le dites, pas forcément à l'échelle européenne, elles sont à l'échelle des États. Et dans le domaine du bâtiment et de l'architecture, elles sont très lourdes, elles sont de plus en plus lourdes. Et c'est difficile d'être dans une logique davantage de défendre des objectifs de résultats. Et on le voit avec même des grands noms de l'architecture. Je vais reciter Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal qui étaient là lundi, mais qui ont mis 10 ou 15 ans avec Frédéric Druot à défendre l'idée justement de la transformation des barres et des tours de manière finalement très légère et agile et dans des contextes en plus très contraints, à la fois économiques, dans des sites occupés, et a finalement démontré par le faire et par l'expérience que ces solutions étaient extrêmement efficaces pour répondre à des enjeux de confort thermique, de confort des habitants, de confort de vie. Et donc dans un contexte comme celui de l'architecture qui est extrêmement normatif, il y a une vraie question. Et ça entre aussi en résonance avec la question évidemment des normes liées aux matériaux. En France, c'est aussi des choses qui peuvent être difficiles. Dans d'autres pays européens, il y a d'autres règles. Alors, on a pu des fois s'en inspirer, mais je pense à des matériaux, le bois, mais pas uniquement, qui pouvaient pendant longtemps finalement être difficiles d'usage dans des habitats collectifs. Et ça rejoint une autre question qui a à voir avec la démarche de design, en fait, l'exercice aussi d'architecture, et ça tient aussi à l'échelle à laquelle on l'exerce. Alors quand on est à l'échelle de l'habitat collectif ou du logement individuel, c'est très particulier, mais dès qu'on a une échelle plus grande et à des échelles d'appel d'offres, on est dans des enjeux relativement complexes. La démarche expérimentale par itération, où finalement on ne sait pas réellement où on va aller, mais on poursuit juste un objectif qui peut être un objectif d'amélioration des conditions de vie, d'amélioration d'un habitat, d'un quartier. C'est aussi des démarches qui sont extrêmement difficiles, exigeantes. Alors certains ont pu le faire. Je sais qu'il y a Sophie Ricard est juste au-dessus en même temps. Bouchain était connu pour travailler dans des domaines comme ça, mais ça reste quand même à la marge. Et ça rejoint une autre réflexion qui est celle de la spécialisation, parce que il y a aussi un écueil qui est celui de l'ultra-spécialisation. On nous pousse aussi beaucoup, souvent les étudiants, à être des spécialistes de certains domaines. Alors l'architecture échappe un peu à ça, encore un peu aujourd'hui, parce que c'est finalement des études en France qui sont très pluridisciplinaires et c'est ce qui fait, à mon sens, tout son intérêt. Mais la spécialisation, ça peut être un écueil. Alors, Minister Fuller en a beaucoup parlé de manière extrêmement fine et intéressante en disant que finalement, ça pouvait être une démarche et une stratégie de certains de pousser à la spécialisation, parce que finalement, chacun devenant spécialiste de son domaine garde la maîtrise totale de la chose, en fait. Et finalement, il y a une personne qui chapeaute une armée de spécialistes, mais finalement, aucun spécialiste n'est vraiment maître en la matière. Donc voilà, dans une démarche qui se veut expérimentale, qui se veut extrêmement réflexive, dans une démarche de projet, de design, comment on articule ces enjeux à la fois davantage d'objectifs, poursuivant des objectifs pas les objectifs de moyens, mais des objectifs de résultats, comment on articule ça dans un monde qui se spécialise de plus en plus, et
comment éventuellement les projets que vous défendez peuvent du coup être des exemples et faire sauter aussi un certain nombre de difficultés ou de verrous à cet endroit-là. Waouh. Si j'avais la réponse, je pense que on aurait peut-être progressé beaucoup plus qu'on l'a fait. Non, je pense que toutes les dimensions que vous avez mentionnées sont pertinentes et font partie de la complexité du projet. D'abord, les différences d'échelle. On est en train de tester au travers de plusieurs appels à propositions, différentes échelles. On a un appel à proposition pour des transformations d'habitat social au niveau de quartiers. Donc on a demandé des projets qui soient des quartiers entiers. Et bon, peut-être les moyens qu'on a mis étaient insuffisants, mais on aura, je pense, 3 projets qui vont être d'excellente qualité. Et il en faudrait plus, bien sûr. Et en même temps, on sait que le quartier est une dimension nécessaire aussi pour intégrer dans la planification différentes dimensions. Je discutais avec un collègue tout à l'heure qui disait qu'en Croatie, par exemple, ils sont en train d'essayer d'amener en même temps la question de la planification énergétique au niveau du quartier et de la planification urbaine, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent et ce qui ne permet pas d'optimiser les solutions énergétiques, en fait. Donc, il y a cette question de la gestion de l'échelle, il y a cette question de la gestion du temps, ce qui est stratégique et ce qui est tactique, en fonction des moyens qu'on peut déployer. Il y a la question de l'alignement des outils qui permettent le financement. Donc, par exemple, un des grands enjeux pour nous, c'est pas de continuer à financer cette transformation, bien sûr, avec simplement des appels de quelques programmes. C'est que, par exemple, l'ensemble des fonds structurels et des fonds qui sont dévolus à la vague de rénovation, etc., etc., puissent être ceux qui permettent la transformation. Et donc, ces changements d'échelle, je pense qu'on va apprendre en le faisant. Donc, il faut qu'on trouve les bons moyens de capter les bonnes solutions. Et donc, par exemple, dans notre communauté, il y a des activités qui vont être dévolues à précisément se concentrer sur tel type d'échelle ou tel type de pairing, d'articulation entre des projets énergétiques et des projets d'urbanisme ou de développement de l'espace public. Donc, voilà, je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir serrer. Après, la question de la spécialisation et de l'orchestration. Je crois qu'elle est on voit un besoin d'orchestration à plein de niveaux. Et aujourd'hui, par exemple, on a 4 dispositifs différents qui vont essayer de soutenir les villes, les communes, dans l'animation de projets de transformation. Parce qu'il faut des compétences pour impliquer les citoyens, il faut des compétences pour parler aux créatifs, il faut des compétences pour peut-être déverrouiller un certain nombre de choses au niveau législatif. Donc il y a de nouvelles compétences à créer et à transférer chez plusieurs acteurs qui ont un rôle d'orchestration. Et certainement l'architecte doit aussi devenir d'une certaine manière un orchestrateur, ou en tous les cas quelqu'un qui est plus que jamais à l'aise dans l'interaction avec ces points importants. Après, je pense qu'on n'échappera pas à la spécialisation. Il y a une spécialisation du savoir. Enfin, bon, il y a un moment où on pouvait avoir tout le savoir dans une encyclopédie, mais ça fait quand même un certain temps. Maintenant, on doit se hyper spécialiser. Alors, le problème, c'est est-ce qu'on peut allier la spécialisation nécessaire avec la perspective que donnaient les humanités, d'une certaine manière. C'est donc, est-ce que toute formation universitaire peut à la fois approfondir une connaissance très très spécifique, mais garder la capacité à penser et à prendre du recul, et parce que c'est dans le recul qu'on est capable de dialoguer avec des gens qui ont une toute autre formation que nous. Moi, j'ai travaillé avec plein d'équipes pluridisciplinaires. C'est très difficile parce que ça demande à tout le monde un effort considérable. Il faut trouver ce point de rencontre. Et ce point de rencontre, il commence toujours dans un niveau où on regarde la big picture, comme on dit à Bruxelles. Mais après, il faut réussir à l'articuler avec nos langages dans différentes dimensions. Il faut revenir. Et y a un autre aspect humain, c'est quand on travaille dans une équipe pluridisciplinaire, on est moins souvent satisfait. Parce que
Si vous travaillez avec des gens qui pensent comme vous, c'est très facile de se dire on est les meilleurs, on fait un super job, etc. Si vous travaillez avec des gens qui ne pensent pas comme vous, à chaque fois il y a du frottement. Et c'est le frottement qui est riche, qui donne de l'innovation, qui donne des résultats qui sont souvent meilleurs. Mais en revanche, on en garde un petit sentiment que c'est pas top, on n'a pas vendu 100% de ce qu'on voulait vendre, on n'a pas été 100% compris, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, dans l'éducation, doit être expérimenté beaucoup plus tôt pour que les gens soient à l'aise avec ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est une remarque. Monsieur avait une question, oui. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais une réaction en même temps que ça ouvre des interrogations. Donc, Philippe Villien, architecte, urbaniste et enseignant à l'ENSA de Paris-Belleville, et surtout pilote d'un réseau qui s'appelle ENSA Eco, et donc qui regroupe les enseignants qui se préoccupent d'écologie et qui la mettent en œuvre dans les ENSA. Donc, évidemment, que le NEB interpelle totalement notre réseau qui s'est fondé sur la COP21, en gros. Donc, on a commencé à avoir quelques heures de vol et donc des choses, des résultats, on va dire. Mais la question maintenant, c'est d'ouvrir. Donc, ce que je trouve de très important, d'abord, c'est la rareté de votre proposition. En fait, d'un côté, moi, je me mets là sur la question du microcosme, plutôt de l'écosystème, maintenant, on va dire, des ENSA. 20 écoles, 20 000 étudiants, à peu près, on va dire, au moins 20 000 projets par an. Où est-ce qu'on fabrique autant de projets aussi invisibles en France ? Parce qu'il n'y a aucun site internet qui démontre ces projets, hein, pratiquement. C'est tout émietté. C'est à peu près 5 000 mémoires par an de ces ENSA, qui sont totalement aussi très difficiles d'accès. Donc, en gros, on se retrouve avec un écosystème qui produit beaucoup, mais qui produit des choses de pointe, qui produit des choses très importantes pour la suite, pour l'innovation, et qui reste encore totalement invisible, depuis l'extérieur des ENSA et de l'enseignement supérieur, mais aussi des territoires dans lesquels chaque ENSA est plongé. Donc, je pense qu'il y a énormément donc vous êtes, la question, c'est les liens avec l'UE, les liens avec l'Europe. En gros, les quelques décennies d'enseignement m'ont montré qu'ils étaient quasi inexistants dans les écoles d'architecture, hein, très, 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 très faibles. Donc, d'où l'importance de cette mise en place, de cette proposition, parce qu'il nous faut, pas beaucoup de liens, mais il faut commencer et avoir des liens de grande qualité, c'est-à-dire s'entendre sur les qualités de qu'est-ce que c'est que ce, avec quoi on va se mettre d'accord pour travailler avec l'Europe. On voit l'importance, hein, ces jours-ci, depuis 2 semaines en tout cas déjà, énorme surprise, énorme bonne nouvelle pour l'Europe, je trouve, hein, pour être positif aussi, puisqu'on voit que ça peut bouger très vite. Et donc c'est ce regain, cette nouvelle perspective, hein, ça interroge totalement les 20 000 étudiants des écoles et les 1500, 2000 profs enseignants dans ces ENSA. Donc, en gros, la qualité du lien, pour moi, c'est ce que vous offrez. D'abord, un, que ça soit basé sur le projet, parce que ça, je pense qu'il y a un grand consensus dans nos 20 écoles. Donc ça, c'est vrai qu'il faut voir, bien comprendre, je pense que c'est ça que je vais essayer de bien regarder, hein, dans tout ce qui est accessible, hein, du NEB, c'est cet aspect, comment le projet est placé au centre, ou comment il s'articule sur la question de la recherche, sur la question de la production de connaissances, qui sont des choses qui font mal dans nos écoles et que les étudiants, justement, ont beaucoup de mal à comprendre, finalement, et ça pourrait optimiser leur parcours dans les écoles, de mieux comprendre dans quel écosystème ils sont plongés. Et donc, le projet, ça, c'est acquis. Moi, je pense que là, votre présentation, et c'est clair que le projet, c'est un prérequis. Par contre, il y a un deuxième prérequis que je trouve très important, c'est l'approche, on va dire, holistique. Ces trois grands axes, je ne sais pas comment les appeler, la question, donc, durabilité, environnement, climat, hein, la question de l'inclusion, donc du social, de l'inégalité, et trois, la question donc de l'art, de la culture, on dirait en France,
de l'esthétique, la beauté, l'art, qui pour nous se rime avec art plastique, par exemple, l'ATR, comme on dit, dans nos champs disciplinaires, c'est-à-dire une petite partie du corps enseignant et de quelques heures d'enseignement assez importantes, mais assez marginalisées dans nos écoles, un peu. Donc, avec cette trilogie, si on peut dire, évidemment qu'on pense tout de suite, ça se ressemble à une approche holistique importante, holistique au sens où ça propose un modèle qui peut avoir une portée générale et concurrencer d'autres modèles à portée générale. Et ça, je pense qu'on en a besoin dans nos écoles, en pleine transformation pédagogique. Donc, si on regarde, moi je trouve que là, il y avait dû y avoir, je regarderai parce que c'est très important, cette proposition. Ça veut dire que si on se réfère déjà dans la culture du développement durable, les trois pôles, le tripode, là, ce qui est clair, c'est que c'est l'économique qui a été évacuée pour mettre à la place l'art. Et c'était non pas un quatrième pôle, comme il y a eu parfois dans les années 90-2000, une tentative de dire il y a quatre grands pôles pour organiser là, un modèle nouveau de nouvelle transformation. C'est cette idée de... Il y a eu la gouvernance et la culture qui ont essayé de s'installer dans ces, vis-à-vis des deux autres pôles, hein, le social, l'environnemental. Donc ça, je pense que c'est très important d'acter la qualité de cette proposition holistique que vous faites, que vous avez mis sur la table et qui est le fruit, comme vous l'avez dit, d'une enquête, d'une remontée de la base vers le haut. C'est un peu aussi l'idée d'une sorte de contrepoison contre la bureaucratie. C'est assez important, cette idée-là. Je pense qu'elle est aussi en filigrane. Hein. Donc, voilà, qualité du lien, si c'est ce que c'est, si on comprend bien, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce que vous proposez. Cette idée que là, il y a vraiment une des raretés, avoir un lien avec l'UE de cette qualité-là. Et sachant que ça éclaircira. Alors c'est ça moi, un peu la question, c'est que moi on peut avoir vous restituer un peu ce type d'approche et de débat dans nos ENSA, hein, on est des témoins de ça. Mais ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est de voir de nous comparer avec les mêmes situations dans les autres pays, parce qu'on est complètement orphelin de ça. On ne sait rien de finalement. Pourtant il y a beaucoup d'Erasmus, hein, mais le retour est pas de cet ordre-là, malheureusement. Ça serait très intéressant que le retour des Erasmus nous fasse progresser, ce qui n'est pas vraiment le cas d'un point de vue institutionnel, malheureusement. Et donc là, on voit qu'il y a aussi un grand réservoir, parce qu'on est plutôt des écoles où il y a beaucoup d'échanges, d'expérimentations. Sur les 5 années de base, il y a souvent une année passée ailleurs, hors de nos pédagogies, hein, de notre sectoriel. Donc c'est très, très important comme phénomène et ce n'est pas maîtrisé dans nos écoles. Là aussi, il y a aussi un grand intérêt. Vous voyez ce que je veux dire, à comprendre ce que vous dites et pourquoi, comment ça s'articule quand il y a une perspective qui n'est plus franco-française. Et donc la question c'est finalement comment est-ce qu'on peut lever nos barrières nationales. Parce qu'on va partir d'un mauvais, très mauvais constat, pour moi c'est ça la proposition en question. En gros, on progresse extrêmement lentement sur les rapports entre les ENSA, entre nos écoles d'archi. On a très peu de rapports entre écoles d'archi. On a une tutelle qui fait ce qu'elle peut, ce qui est très, très débordée. Hein. On leur remercie, mais ils sont très peu nombreux. Hein. C'est magnifique. Très, très important. C'est très important. Et donc, comment dire, moi, ce que je trouve très important, c'est qu'il faut faire d'abord le constat. Je pense qu'on est indispensable, les écoles d'architecture, à votre programme, et que de réfléchir avec vous à quels sont les obstacles au fait qu'on ne soit pas déjà là. Alors qu'avec la NDEA, avec notre réseau, on a travaillé avec la NDEA pour, hein, vous savez, les écoles d'art, on est dans le même ministère, qui ont une énorme association magnifique, beaucoup plus active que tout ce qu'on peut faire dans nos écoles en termes d'activités inter-écoles d'art. Et donc ça, c'est un autre grand modèle actuellement, on va dire, hein, pour travailler entre les écoles, parce que la recherche entre les ENSA se maille assez peu. Donc en fait, on n'a pas d'autre choix que la voie artistique, votre fameux troisième levier, troisième pôle, qui est vraiment la côté original, je trouve, de la proposition. Peut-être je me trompe complètement, c'est une interprétation. Donc en gros, voilà, c'est si cette base-là, comment est-ce qu'on peut imaginer que parmi toute la diversité des pays européens, qui ont aussi des écoles d'archi et tout, très différentes, hein, toutes excellentes, bien sûr, mais qui sont fondées sur beaucoup plus de professionnalisme et technique, hein. Je parle des Hollandais, des Suisses, des Allemands, des Espagnols, et vous voyez, on est environné de, en gros, on est un peu un îlot en France,
à fabriquer des écoles très académiques avec des gens qui sont des penseurs, alors qu'ailleurs, on fabrique des architectes dans le même temps qui sont des penseurs et des praticiens, et des futurs praticiens. Et donc, on a ce paradoxe. Donc, il faut qu'on s'inscrive dans votre programme, dans notre, avec ce qu'on est. On est très particulier, finalement, hein, parmi les autres écoles d'architecture. Et comment on peut apporter, finalement, notre originalité à votre dispositif, voyez. Donc, notre besoin, on pourrait y revenir, il est très identifiable. Par contre, en face, ce qui est complexe, c'est est-ce que, par exemple, question toute simple, est-ce que d'amener des projets bilatéraux, en disant, ben, on fait ça franco-espagnol, franco-machin, franco-tout, pour déjà faire un premier, tomber une première barrière, qui est de travailler avec des non-français, en fait, qui est très, très rare dans nos écoles. Vous voyez, c'est à la fois une réaction et oui, non, mais j'aime bien la réaction. Elle témoigne de quelque chose que je mesure depuis le début de cette initiative. En France, le nouveau Bauhaus européen a un décollage relativement lent, si je le compare avec le décollage dans d'autres pays européens. Et je discutais avec des collègues français pour essayer de comprendre. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a Bauhaus dans le nom, je ne sais pas si c'est parce que la France a une réflexion sur ces questions et une pratique déjà relativement avancée, qu'elle a l'impression qu'on vient avec quelque chose qui réinvente l'eau chaude, ou si c'est simplement parce que ça vient de l'Europe et donc c'est... Je ne sais pas. Mais en tous les cas, quand je regarde les statistiques, on a beaucoup moins de partenaires français vu la taille du pays. On a eu beaucoup moins de candidatures au premier prix. Deuxième, je ne connais pas exactement, ça a probablement progressé. Mais, donc, il y a un retard à l'allumage. Bon. Deuxième chose, votre réseau, il a vocation à devenir un partenaire. Donc, regardez et rejoignez le réseau. Pourquoi ? Parce que dans notre réseau, la catégorie la plus représentée, c'est des réseaux ou des organismes d'éducation. Donc, je ne sais plus quel pourcentage, mais je dirais que aux alentours de 40% des membres de notre réseau sont actifs dans le domaine de l'éducation et que vous avez peut-être trouvé des partenariats, peut-être pas avec d'autres écoles d'architecture, mais avec d'autres écoles. Et c'est là que peuvent venir les idées. Et les idées peuvent être multiples. Ce que vous avez dit, par exemple, sur le fait que c'est un gâchis que le génie des étudiants, qui peut être une source fantastique d'inspiration, ne soit pas utilisé pour faire comprendre, vulgariser, rendre possible dans l'imaginaire de tout un chacun l'espace public de demain, la construction de demain. Donc qu'on habitue tout le monde à penser à ce qui est possible et pas à simplement voir ce qu'on voit se répéter ad vomitum. Hein. Et donc là, je suis sûr que vous trouverez des partenaires qui sont capables de réfléchir avec vous comment on peut développer un projet qui exploite visuellement ou autrement l'imaginaire mais la recherche qui se fait dans les universités, les écoles d'architecture et d'autres écoles pour le rendre prégnant. Hein. J'ai fait de la prospective, on faisait de la prospective soutenue par du design spéculatif et donc on créait des objets physiques du futur pour faire réagir les gens. Hein. J'ai fait un projet par exemple sur le futur de l'agriculture. On a travaillé avec une école de design pour faire les objets d'une agriculture qui n'existe pas, pour poser des questions, et c'est très puissant. Donc si on pouvait utiliser la puissance de l'imagination et de la recherche des étudiants pour questionner la société et pour donner un peu plus d'ambition, je dirais, sur tous les projets liés à l'espace public, le bâti, etc., je pense que ce serait très très utile. Autre type de projet qui, à mon avis, pourrait naître du nouveau Bauhaus européen, c'est comment, et c'est pour ça qu'on a lancé ce triangle de réflexion, comment vous changez votre espace, comment vous changez votre enseignement, mais comment changer votre relation à la communauté, parce qu'on pense que faire travailler les étudiants sur des contextes, ça peut être un premier accélérateur de la réflexion sur des transformations. Donc si on était capable de faire un mariage et avoir un espèce d'Erasmus du nouveau Bauhaus européen où on prend des étudiants qui sont intéressés par tel type de transformation et qui trouvent un contexte qui est intéressé parce que
il y a ce type de transformation qui est nécessaire. On pourrait avoir un espèce de laboratoire ouvert qui permettrait à la fois de répondre aux exigences du cursus, mais aussi d'accélérer la transformation sur le terrain, en fait. Donc, il y a pas mal de choses qui, je pense, pourraient être faites. Et donc, ma recommandation, c'est devenez partenaire avec votre réseau. Et là, vous allez être dans cet incubateur avec d'autres personnes qui ont les mêmes soucis que vous. Et vous allez certainement trouver avec qui... vous pouvez commencer à développer des activités. Et on n'est pas normatif, donc on n'est pas dans un programme européen où on vous dit vous devez avoir 3 partenaires d'ici. Non, on veut simplement des projets qui fassent sens pour vous et qui fassent sens pour ceux avec qui vous les développez. Et dans ce cas-là, on essaiera de les appuyer, de les rendre visibles et de leur trouver les sponsors et les contextes qui les font exister. Juste un point sur l'économie, parce que vous avez fait une remarque intéressante, c'est qu'effectivement l'économie, elle n'est pas dans les 3 valeurs, mais l'économie, elle est partout. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est que la traduction économique de la triple ambition, elle va vers le champ de l'économie sociale, en fait. Ça force à repenser les modèles économiques qui sont derrière de valorisation de toute une série de choses. Et donc, l'économie sous-jacente de ce triangle de valeurs, elle a souvent à voir avec la transformation aussi du modèle économique vers des modèles de partage, vers des modèles, en tous les cas, différents de la maximisation du profit, disons. Bonjour, je voulais revenir juste tout à l'heure, vous parliez de vos partenaires et de votre intervention auprès des collectivités ou des communes, donc ça j'imagine à l'échelle du territoire européen, et vous parlez aussi de votre communauté d'individuels ou de groupements d'intervention. La question que je pose, elle est assez simple. Dans ce que vous exprimez un peu à travers les différents échanges, on a l'impression que vous êtes... et à la fois dans une forme d'assistance aux maîtrises d'ouvrage, qui peuvent être publiques ou des partenaires, j'imagine, éventuellement privés, et en même temps un laboratoire d'idées et de production à l'échelle architecturale du territoire urbaine. Et la question que je pose, c'est au regard des institutions européennes et dans le prisme de votre intervention au sein de la Commission européenne, comment est-ce que vous voyez ce processus s'implémenter dans ce qui est déjà un peu en train d'organiquement se créer dans la pratique, que ce soit en France ou j'imagine ailleurs, des agences d'architecture ou d'urbanisme, ou de certains architectes qui se sont spécialisés, que ce soit des programmistes ou des paysagistes ou tous les autres champs finalement qui interviennent dans la production de nos espaces. Comment est-ce que cette initiative-là finalement elle dialogue avec ce qui est déjà là, si je puis dire, ça c'est le cœur de la question, et comment à travers votre intervention vous avez, par le biais du facteur économique dont vous évoquiez juste alors l'importance, la possibilité d'être porteur de projet pour peut-être des collectivités qui seraient en manque de force par rapport à des initiatives nécessaires sur le territoire. Ben, je crois que notre rôle, surtout au niveau européen, c'est au travers de cette initiative, c'est de créer un contexte qui pousse en avant ce qui existe déjà. Donc j'aime bien l'idée du faire avec. On a des débats sur l'innovation pour la transition. Quand on est dans une transition, ça ne sert à rien d'attendre des nouvelles technologies qui vont être matures dans 20 ans. Il faut apprendre à faire avec ce qui est là. Et donc le défi de l'innovation aujourd'hui, c'est de l'innovation dans l'intégration de ce qui est là pour atteindre les meilleurs objectifs autour de ce triangle de valeur, en fait. Donc nous, ce qu'on essaye de créer au niveau européen, c'est à la fois un contexte qui est porteur pour tous ceux qui s'inscrivent dans cette logique-là. Et on espère bien sûr qu'il y a des praticiens qui sont déjà sur le terrain et qui ont des projets. Alors nous, notre rôle, c'est de les rendre plus visibles, de les écouter pour comprendre là où il y a des obstacles qu'on pourrait être en capacité de lever, ou en tous les cas de mettre en débat,
Donc ça, c'est le dispositif. C'est pour ça qu'on aime travailler avec cette communauté, parce qu'on espère apprendre aussi au travers de nos partenaires là où, dans nos compétences habituelles, on peut faire quelque chose. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a quand même un certain rôle dans l'utilisation d'un certain nombre de fonds, à la fois des fonds qui sont des fonds de programmes européens qu'on peut orienter d'une certaine manière, mais aussi des fonds qui viennent des politiques, ce qu'on appelle la politique de cohésion, où il y a beaucoup d'argent dans des régions qui sont en cohésion, c'est-à-dire qui sont en dessous de la moyenne de développement économique européen et qui donc ont des fonds pour les aider à rattraper la moyenne. Et tous ces fonds-là, on voudrait qu'ils soient utilisés dans cette logique de transition. Et c'est là qu'on travaille beaucoup avec la mise en capacité des autorités locales à engendrer des projets de transformation qui soient conformes à ce modèle-là. Et donc un des gros travaux qu'on fait aujourd'hui, c'est avec nos collègues qui gèrent cette politique de cohésion, et leur commissaire fait partie de ceux qui sont les leaders de cette initiative, on essaye de comprendre comment on peut convaincre les autorités qui gèrent ces fonds au niveau régional d'investir sur cette approche-là et donc de développer des appels à propositions et des soutiens qui vont... Parce que là, il y a beaucoup plus d'argent que dans les programmes européens. Donc on essaye d'activer les leviers. La même chose, c'était pour les plans de relance. Il y a eu beaucoup d'argent, mais le timing était mauvais. Et la mécanique était mauvaise. C'est-à-dire que les plans de relance sont conçus sur une logique de... il fallait que les États membres apportent très vite des projets pour pouvoir toucher très vite l'argent. Et compte tenu de la crise économique liée à la situation Covid, il y avait des situations d'urgence. Et donc, ce n'était pas un cadre qui était très intéressant pour développer une stratégie de la dépense qui soit très complexe. Et donc aujourd'hui, on est en train de voir comment, à l'intérieur des enveloppes qui ont été dégagées dans les différents pays pour des enjeux qui croisent les enjeux du nouveau balance européen, donc je parlais de la rénovation, mais il y a d'autres enjeux qui peuvent être pertinents, en essayant de voir comment il est encore possible de donner une inflexion à ces outils de façon qu'elles donnent des chances à des projets qui soient plus élaborés et plus holistiques que simplement aller isoler des façades avec des matériaux utilisant des énergies fossiles pour atteindre des efficacités énergétiques qui permettent de rentrer dans les clous. Donc voilà, on est en train de travailler à ça, mais c'est pas facile parce que ça n'a pas été pensé dans les mêmes calendriers. Et justement, en lien à ce que vous dites, donc on voit qu'il y a une forme de jurisprudence en fait européenne derrière cette démarche, c'est-à-dire qu'il y a des exemples qui parcourent les frontières de l'Europe. Et justement, comment s'organise en fait ce poids parfois politique ou auprès des collectivités ou je sais pas de services techniques. On parlait de matériaux tout à l'heure. Comment est-ce que ces connaissances-là, elles passent d'un contexte à un autre en fait? C'est ce qu'il faut organiser, et c'est là encore que la communauté, elle est extrêmement importante. Quand on a lancé cette initiative, c'était sorti simplement du discours de la présidente au Parlement européen. Personne n'en avait jamais entendu parler. On s'est dit comment on peut la disséminer, quoi. Et là encore, c'est en travaillant avec des gens qui partagent nos idées, qui sont devenus ceux qui ont fait essaimer les idées. Donc là aussi, on a l'ambition, c'est pour ça que je parle toujours d'un mouvement, c'est que là, on a 400 partenaires, mais l'idée, c'est d'avoir toute une série d'acteurs sur l'ensemble du territoire européen et au-delà, qui peuvent à la fois abonder cette source d'exemples et d'apprentissage, etc., etc., mais aussi la reporter là où elle est utile et efficace. Et par ailleurs, on a un certain nombre d'outils qu'on essaye d'utiliser. Il y a plein de réseaux européens qui existent déjà. Et donc, à chaque fois qu'on a des résultats pertinents, enfin, quand on en aura, parce que c'est une initiative qui est encore très, très jeune, on utilisera ces réseaux aussi pour disséminer les résultats, les exemples, etc. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, ce n'est pas quelque chose qui va exister parce que Bruxelles s'en occupe. Ça va exister si
dans plein de localités, mais il y a des gens qui s'en saisissent et qui le disséminent. Vous savez tout ce que vous vouliez savoir ? C'est bien, je vous verrai prochainement dans une de nos nombreuses réunions en ligne avec la communauté. Non, mais enfin, saisissez-vous de ce concept. Je pense que ce que je disais aussi aux amis français, c'est qu'en France, il y a des choses magnifiques. Ce qui a été présenté ce matin, c'est magnifique. Cet appel à manifestation d'intérêt, c'est une des démarches les plus abouties que j'ai jamais vues pour, de manière extrêmement structurée, susciter des projets qui ont cette dimension à la fois de laboratoire, mais aussi de réalisation concrète. Donc, vous pouvez être le fer de lance de cette transformation, mais de grâce, connectez-vous, sortez de l'hexagone et pensez que là aussi, c'est quelque chose où vous pouvez utilement partager votre expérience, vos valeurs et vraiment vous engager. Et si la France, je suis sûr, s'engage à l'échelle de ce qu'elle peut apporter, ça va accélérer considérablement ce mouvement. C'est pas un mouvement qui questionne ou met en cause des choses qui sont développées en France. C'est une ombrelle dans laquelle, je pense, vous pouvez avancer avec nous. Oui, mais je pense que ça va se développer. Parce que finalement, dans un système comme ça, il faut avoir quelques ambassadeurs. C'est vraiment le rôle de quelques ambassadeurs. Et puis derrière... enclencher un mouvement. Mais sur le fond, tout ce que vous dites, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc, sur le fond, la connexion, elle est là. Et maintenant, c'est vrai que le réseau des ENSA a développé une recherche inter-ENSA, mais la marche européenne est une marche extrêmement haute. Les ENSA ont encore du mal à déposer des projets dans le cadre des appels à projets européens parce que c'est des partenariats complexes, parce qu'il faut un certain nombre de partenaires à l'étranger, parce que au niveau de la constitution des dossiers, c'est extrêmement difficile. On sait que c'est lourd, mais c'est clair que dans ce réseau, vous allez vous faire des copains. Et donc, une des vertus du réseau, c'est certainement aussi d'accélérer la capacité à développer des projets qui deviennent aussi éligibles dans les cadres existants. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a identifié, parce que finalement, c'est en démarrant qu'on identifie aussi les structures qui peuvent faciliter. Alors, excusez-moi, parce que j'ai peut-être écorché le nom. C'est Culture France, une association Culture France. Ça vous dit quelque chose ? Non, bon, d'accord. C'est chez nous. Et c'est une association qui favorise, qui aide à la constitution de dossiers pour accéder justement à ces appels à projets européens. Voilà, mais je pense qu'on va avoir quelques ambassadeurs là et qu'on sera force de proposition. J'ai confiance. En tout cas, même en tant qu'étudiant, c'est... Ça fait beaucoup à digérer là, de découvrir cette chose du nouveau Bauhaus, mais ça donne beaucoup d'espoir quand même sur l'avenir de l'architecture qui, des fois, on se sent peut-être en décalage des étudiants avec le modèle actuel, mais vraiment, je suis très heureux d'avoir découvert ça aujourd'hui. Donc, merci. Merci de l'invitation et bien apprécié le moment avec vous. Et donc, profitez bien du festival maintenant, il y a plein de choses et de conversations sur d'autres projets l'après-midi. Merci.